L'impolitesse de la mort. Promenade sans retour pour les pêcheurs. Barwa bakoikova na peti na bango. Bazali kolia ape komela. Liwa ekoti ezuma ko ekinaye. Ezongisite. O liwa. Ebi bakondite. Ebi semame. O liwa. Eko tatola. Makita. Kaya bomoi na motwe oh oh liwa eko banzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisa kate soki moto na nakufite oh toyebite basekele nyonso eko bima yango balobalo bakate soki moto na nakufite Sekele mon soye kouma Oh, liwa Eye bimbongote 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 Eye Aujourd'hui, nombreux de nous ne pensaient pas peut-être qu'ils allaient rentrer ici pour passer un moment aussi difficile. Mais là, c'est la ligne de démarcation. Cette ligne va nous séparer réellement. Nous et notre sœur, et notre maman, et notre copine. Je vais donner la parole à mon frère. Tout à l'heure, on vous a exhorté. Peut-être. Mais il a enduré. C'est pour ça que j'ai dit, en le regardant, nous trouvons en lui un témoignage. Et que ce témoignage te fortifiera aussi. De même que si un jour cela arrivait, que tu saches comment tu pourras t'accrocher. Il va dire un mot, un dernier, un au revoir. Parce que pour elle, la vie s'est arrêtée et nous qui vivions, nous attendons sur notre tour. Mais dans l'espérance, nous espérons qu'un jour nous allons nous rencontrer dans le lieu qui nous est préparé par notre Seigneur. Donc je laisse la parole à mon frère. Pour dire au revoir à cet être cher qu'il a été, la maman de ses enfants. Pascal, tu vois ce dernier moment de séparation. Qu'est-ce qui fait que je te dise, Pascal, tu m'as toujours appelé cher, amour, cher. Pour moi, tu es une petite sœur.
n'était pas une fois pour moi, une petite soeur. On s'est battu. La maladie, c'était toi et moi, avec notre Dieu. J'ai souffert pendant 6 ans et demi, Pascal, après la naissance de Jean-Pascal. La tumeur de sein a été déclarée. On ne s'est pas laissé. On s'est battu. On s'est donné à Dieu. Tous les deux ont prié toutes les nuits. Et ça ne nous a pas empêché de réaliser nos rêves, notamment le mariage. Le médecin nous a dit, monsieur Laïa, ça ne sert à rien, tu vas épouser la femme. Ta femme, est-ce que tu penses vraiment que tu vas réaliser ton rêve? J'ai dit, ouais, médecin, docteur, l'album à l'hôpital de Saint-Leclerc, pour nous, c'était une victoire. Pour nous, c'était une victoire. On était prêts, on s'est dit, chérie, on va continuer, parce que pour nous, on va faire un témoignage. Pour dire aux gens qui nous entourent, à la famille, que Pascaline avait un sein, mais le Seigneur l'a guéri. Amen. Mais le Seigneur a voulu autrement. Moi, je dirais simplement, on rend grâce à Dieu. Pascaline, repose-toi en paix. Repose-toi en paix. Merci. Dont nous serons comblés aujourd'hui. Solo e nani akoyo kaye.